club de la Monnaie existe depuis 25 ans, c'est la 25e année. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 220 licenciés, ce qui représente 13 équipes. Donc on a toutes les catégories, du mini-hand, école de hand, et puis toutes les catégories filles et garçons, jusqu'aux équipes seniors et une équipe loisirs mixte. Justement, c'est un nouveau développé, vous avez récupéré une nouvelle équipe senior cette année, une senior départementale féminine. C'est ça. Donc en fait, c'était des anciennes joueuses, c'était une volonté du club. On a créé une senior masculine il y a 3 ans. On voulait créer une senior féminine de manière à permettre à toutes les joueuses qui étaient en moins de 18, qui voulaient rester au club, de pouvoir y rester. Étant donné que l'HBCN a dû cesser son activité, il y avait des joueuses qui étaient sur le carreau. On les a récupérées. Ça nous a permis de créer cette équipe. Et le fait de créer cette équipe, ça nous permet également de récupérer des arbitres. Notre responsable arbitrage fait partie de cette équipe. Notre coach, mon 13 filles, fait partie de cette équipe. Donc, c'est dans la logique de vie du club, qui sont que les équipes seniors et les équipes loisirs sont des réservoirs de dirigeants et de formateurs. Justement, tu parles de seniors, de formateurs, formation. Je me demande, qu'est-ce que vous avez mis en place au niveau formation? Donc régulièrement, on envoie des entraîneurs faire des formations auprès du comité ou auprès de la ligue. On fait également de la formation en interne, beaucoup de sensibilisation, notamment l'arbitrage cette année. Et puis on a notre salarié qui a suivi aussi une formation cette année et qui l'an prochain va continuer et va poursuivre son cursus et ensuite. Et un dernier mot pour inciter les gens à venir à signer l'abonnage l'année prochaine. C'est un club de village qui regroupe donc 9 communes. Tout se passe bien, c'est une très bonne ambiance. On a à cœur de recevoir dignement et en bon esprit toutes les équipes qui nous rendent visite. Et donc notre credo, c'est la formation du joueur et c'est la performance individuelle au service du collectif. On n'a pas du tout un esprit d'élitisme, mais par contre de collectif. Merci. Avec grand plaisir. Bonjour, je m'appelle Manon, j'ai 19 ans, je suis entraîneur à l'abonnage des moins de 13 filles. Je fais du hand dans ce club depuis que j'ai 14 ans. Et je suis partie juste un an et je suis revenue. D'accord. Pourquoi tu avais choisi l'abonnage? J'habitais pas loin et après ça m'a plu, du coup je suis restée. D'accord. Donc tu es entraîneur, justement tu dis au moins de 13 filles. Oui. Comment déjà je passe ta saison à toi avec ton équipe? Ça se passe super bien, j'ai un bon groupe, elles sont bien collectives. Et niveau justement jeu sur l'abonnage, niveau terrain, niveau sportif? Comment ça se passe? Est-ce que tout se passe bien au niveau sportif? On n'est pas un club élitiste, mais ça se passe bien. On est là pour faire vivre une passion et que tout le monde s'amuse et s'entende. D'accord. Quelque chose à rajouter? Pour inciter les gens à venir à l'abonnage l'année prochaine? Venez tous à l'abonnage, c'est un club, c'est comme une famille. Et voilà, c'est tout. Qu'est-ce que l'abonnage a mis en place justement au niveau technique pour cette saison? Alors ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est du coup au travers des catégories, pas laisser tout seul les entraîneurs dans leur coin. Donc on en est à 80 réunions de la commission technique des entraîneurs. On a élaboré un projet à travers les catégories, propre à chaque catégorie, mais surtout pour qu'il y ait du lien en passant d'une catégorie à l'autre. Voilà, c'est l'un des points principaux qu'on a essayé de mettre en place cette année. Les résultats sont positifs au niveau sportif pour les différentes équipes? Oui, dans l'ensemble c'est positif, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de licenciés, il y a des créneaux répartis entre Calvisson et Clarensac. Beaucoup d'équipes, mais je crois que c'est le lot de pas mal de clubs, sont obligés de partager leur terrain en deux. Donc on ne peut pas des fois avancer comme on le voudrait, c'est un peu la conséquence du succès du handball. Mais on avance, ouais, ça progresse. Ouais. Et justement, la place de l'abonnage dans le handball gardois? Dans le handball gardois, moi je trouve que c'est intéressant, déjà parce que c'est mixte, on n'est pas les seuls bien sûr. On est situé justement entre Nîmes et tout ce qui est l'Hérault, Saumière, Lunel, Montpellier. Donc il y a des choses vraiment intéressantes à travailler, à drainer pas mal de monde, à allier le loisir, à la partie loisir, s'amuser, prendre du plaisir,
et puis quand même, parce qu'on veut bien jouer pour gagner, la compétition, et à la limite, avoir des joueuses qui partent ensuite, ou des joueurs qui partent vers les clubs phares de la région. C'est aussi, mais ça a déjà été fait avant nous, hein. Mais continuer à le faire, c'est une bonne chose. Merci.